C'est quoi tes doudous? Ces deux vieux t-shirts dégueulasses. Ah bon? Qui étaient blancs au départ, maintenant ils sont quasiment marrons. Oh. Alors on va faire une petite interview coq à l'âne. Vous êtes prêts tous les deux? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah tiens, par exemple, est-ce que tu as de plus sexy en toi? Mes seins. Enfin... Ah non, mais oui. Ce qui se voit, quoi. Maintenant, ce qui se voit pas, je sais pas. Les commentaires, je vous en prie. Oui, non, ça va bien. Ça va. On n'est pas à la foire du trône, quand même. Ce que tu as de moins sexy en toi? Ben, je sais pas, tout le reste. Oh, pourquoi dire ça? Allons, allons. Non, non. Bon, alors, un truc... Enfin, qu'il y a des gens qui trouvent horrible, c'est mes pouces, mais... Fais voir. Oui, c'est vrai, ils sont un peu boudinés, tes pouces. Non, ils sont nés comme ça. Ah bon? Ouais. Ah, t'es pas fini, c'est ça? Voilà, ouais. C'est ce qu'on disait. Quelle chose négative tu dirais sur toi? Sur moi-même? Ouais. Si tu voulais te casser. Me casser? Te faire du mal. Bah, je sais pas, je suis... sans grand intérêt. Oh, ça marcherait pour ça. Ah si, sur moi, oui. Sur moi, oui, en tout cas. J'y crois pas du tout. As-tu déjà pensé au suicide? Ouais, une fois, j'ai fait... enfin, je l'ai fait, mais plus ou moins, quoi. Ouais, quand t'avais 13 ans... Plutôt moins plus, apparemment. Plutôt moins, ouais. T'avais 13 ans, c'est ça? Ouais, comment tu sais? Je sais tout. Ouais, ouais, je l'ai fait, ouais. Pour un garçon? Ouais. Et alors? Et ben, je suis allée dans la rue où il habitait. Ouais. Et puis, il y a une voiture qui est arrivée, puis j'ai été rencontrer la voiture, quoi. Oh là là. Et elle m'a renversée, et je me suis... Enfin, je suis tombée, quoi. Et un mec m'a... Il est venu me chercher, m'a pris dans ses bras, il m'a emmené dans sa voiture, il m'a dragué comme un malade. Ah. Mais t'es un miracle ambulant, toi, parce que t'es déjà tombé du trapèze, la figure sur le tapis en coco, tu t'es fait renverser dans la bagnole, ouais. On te voit, là, c'est... Non, je me suis quand même cassé la cheville, mais c'est tout. Ce qui t'est le plus indispensable pour t'endormir? Mes doudous. C'est quoi tes doudous? Ces deux vieux t-shirts dégueulasses. Ah bon? Qui étaient blancs au départ, maintenant ils sont quasiment marrons. Oh. Et qui sentent trop mauvais. Ah bon? Ah. Voilà, attends, il doit se régaler son père. Qui as-tu le plus envie d'épater? Oh, si j'étais franc, je dirais moi. Mmh. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Non, regarde pas. Je n'en sais rien. Et t'as mal parlé hier soir. Je suis sûr. J'essaie d'être très gentil au sortir de la scène, mais bon. Ouais. Avant-hier, je crois. Avant-hier. Parce que c'est pas le jour où je suis venu voir le spectacle. Non, non. À quoi reconnais-tu infailliblement la bêtise? Peut-être à l'assurance avec laquelle elle s'exprime généralement. C'est vrai. La dernière personne que tu as eu envie de tuer? Qu'est-ce qui se passe là, Dominique? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'image, il n'y a plus de son, il n'y a plus de son. Non, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Les mecs, admettent les bougies là, sinon ça va virer à la partouze dans le public. Ça va, t'es content jusque-là, ça? Ouais, je sais pas, moi. Ouais, ça va, ouais. Je sais pas, je te trouve un peu coincé là, non? Ça va, t'es bien? C'est-à-dire que c'était une émission de télé, tu vois, donc chez un psychanalyste, je serais peut-être plus. Podcast, mais bon, là, je fais quand même attention. Il y a mes parents qui regardent, tout ça. T'as le temps d'aller pisser, Thierry? Ouais. Tu veux rien? Non, ça va. Un verre d'eau, peut-être. Ah, il est con. Qu'est-ce qu'il entend par là? Je sais pas. Tu te dis un truc? Ouais, vas-y, dis toujours. Je quitterai bien ma femme et mes enfants pour toi. Ah oui. Tu veux quand même manger un morceau après l'émission? Ouais, si tu veux, mais à condition que ça soit pas le tien, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.